Le sion du Talbert était une digue naturelle dans les eaux maritimes du territoire de Pleubian. Formé par les vents, la mer et les courants, constitué de sable, galets, gravillons, renforcés de goémons. Il luttait vaillamment contre les vents et la mer, et c'était bien longtemps avant cette maudite guerre. Mais aux dernières années noires de l'occupation, ces gens venus d'ailleurs de lui ont eu raison. En prenant de son dos le meilleur, le plus bon, servant à la fabrication des abris de canons. Transporté par wagon sur sa moitié en long, tracté par de nobles chevaux, percherons et bretons. Sur ce lieu, il n'y avait pas de bulles de tractopelle, mais beaucoup de main-d'œuvre et de travail manuel. Comme outil, baramine, marteau, masse, pioche et pelle. Oui, comme outil, baramine, marteau, masse, pioche et pelle. Si on lui remettait ce qu'on lui a volé, ses assauts de la mer, il pourrait peut-être les contrer. Il faudrait pour cela de la bonne volonté de ceux qui décident et ont l'autorité. Avec l'aide des descendants de ceux qui l'ont mutilé, puisque l'Europe à présent est formée de nations alliées. Et admettent avant tout que c'est la vérité. Oui, admettent avant tout que c'est la vérité. C'est l'histoire pendant la guerre du sillon du Talbert. Oui, l'histoire pendant la guerre du sillon du Talbert. Pour ceux qui ne savaient pas. Enfin la guerre terminée, la liberté retrouvée, ce n'est pas pour autant qu'il a été épargné. Ce sont les gens de chez nous, d'ailleurs d'à côté, autorisés à le puiser par petite quantité. Bien sûr plus pour fabriquer des abris de canons, mais pour d'autres travaux dont l'arrache sale les maisons. Et cela a duré pendant plusieurs années, avant qu'on s'aperçoive que l'erreur était causée. Ce n'est pas le vent ni la mer qui l'ont blessé, mais ce sont bien les hommes afin d'y bénéficier. Si on lui remet pas ce qu'on lui a volé, les assauts de la mer finiront par le balayer. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Un jour probable viendra où la presqu'île sera inondée. La presqu'île inondée et ses voisins à côté. Oui, il faudrait lui rendre ce qu'on lui a volé. Peut-être alors on se rendrait compte de son utilité. Il faudrait pour cela de la bonne volonté, de ceux-là qui décident et ont l'autorité. Et admettent avant tout que c'est la vérité. Oui, admettent avant tout que c'est la vérité. C'est l'histoire après-guerre du sillon du Talbert, l'histoire pendant et après-guerre du sillon du Talbert. Pour ceux qui ne savaient pas, la 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 la